Salutations YouTube. Allez, on a 1h10 devant nous, un peu plus peut-être. On vient de se taper un gros boss dégueulasse. Ah, attendez, c'est bien beau, j'ai tapé ce gros boss dégueulasse, mais la suite c'est là. Bah non, parce que c'est fermé. Ah mais j'ai le space jump. Mais c'est fermé. Ah c'est là, on va pouvoir remettre en marche la machine. Probably. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi visiblement. C'est comme le vélo mais pas vraiment hein. Ok. Oui parce que je venais de là et tout et j'ai fait tout ce merdier. Attends mais pourquoi il me distrait? Ah oui celle-ci est ouverte mais celle-ci est fermée. Attendez what the fuck. C'est bon juste avoir fait ça, ça a résolu tous les problèmes du monde? Ah, BDK Sauce, oui, hein. Si t'as pas de Switch et que faire un Metroid, Super Metroid, c'est extraordinaire. Une légende de l'époque, presque une anomalie. Pas pour rien qu'il a lancé tant de vocations. Ouais, du coup, bon bah j'imagine que ça a résolu tous les problèmes. Je vais Aïe, aïe, aïe. Ah bah non, je m'en fous. J'ai la Varia Suit. Bravo! Enfin, la Gravity Suit. Attendez, je vais aller faire un petit plongeon dans la lave pour en être sûr. Énorme! Ah mais du coup j'allais prendre l'ascenseur mais est-ce que finalement prendre cette TP là aurait pas du sens également? Mais non mais... Putain! Ah bah parfait, ça me permettra d'avoir un objet. Mais pas maintenant! Après, 2 secondes! Ah bah, les power bombs qu'on va avoir là. Bravo! Et en plus j'en ai déjà récupéré en avance car je suis un malade. T'es un malade Bernard. Oui sinon les épisodes GBA. Sont peut-être plus modernes. Moi c'est vrai que je reste extrêmement loyal envers Super Metroid. J'y ai beaucoup joué et j'ai surtout regardé des milliers d'heures de speedrun. Mais Zéro Mission doit être plus jouable. Ne serait-ce que pour le fait par exemple de s'accrocher à des corniches comme ça et de monter. Se rouler en boule. Alors. Ah mais non mais je suis aveugle? Oui. Mais c'est toujours de la glace. Non mais non c'est bon c'est plus givré. Moi j'y crois à mort. Oui c'est bon. Oui Didi très vite. Mais comment on fait pour que ce soit pas un cauchemar? Bah non mais finalement c'était de la merde comme idée. Mais non là. Ah mais non mais... Bien sûr. Ah bah non, ça va être du coup le... Le spazer... Enfin non, le... Screw attack. L'attaque en vrille. Bravo, bravo. Ah oui, bah là, il y a plein d'endroits, oui.
Bravo! Donc on pourrait tout de suite s'en aller, ensuite des blocs attaquent en vrille, il y en a partout, mais bon. Oui, là on pourrait jouer le 100%, mais... You know me, I've got the flame. Alors, pourquoi je retourne vers Burenia? Laisse bien raisonnable. Le level design me laisse penser que je devais aller par là, mais bon. Mais c'est à Burenia qu'il y avait le petit passage étroit en Morph Ball où il fallait que j'utilise l'os pour attaque, non? Non, c'était peut-être au-dessus encore. Ah, j'ai machin là. Pas de panique. Ah bah. Non, clairement, c'est par là. Clairement, c'est par là. C'est pas innocent tout ça. Oui. Ah, le 100%, mais d'abord, on va essayer d'avancer. Bon travail, Samus. Tu as arrêté le refroid, tu es bien mieux préparé au combat que lorsque tu es arrivé. Toujours ici. Pas prête. Bah oui, mais donnez-moi les power bombs, je sais pas quoi. Merde, déjà. Laissez-moi ouvrir ces quelques shortcuts. Ah oui, non, mais c'était pas ce côté-là. Ah là, il y avait 12 000 trucs avec l'eau. Bloc attaque en vrille. Oh. Mais je l'ai fait, ça, déjà. Ça, c'est un bloc power bomb ou autre chose. Alors, en vrai, je vais me barrer, hein. Oh non, c'était les portails verts. Oui, c'était là la fameuse zone qui m'intéressait. Bah oui, elle est juste à côté, en haut dessus, à gauche.
on speedy fun là. Trop attaque, ça détruit même ça? Ah non, faut pas rêver. Ok, Ah merde! Oh là là! L'absence de fun est totale! Ah! Pas totalement. Comment on fait ça? Ah oui, bah bien sûr. Ah non, mais j'ai pas le temps de faire une power, une de build là. De build d'une charge. Coup dur. Oh, je voulais le faire, je vais le faire. Mais y a que ça à ce moment-là que. Dans ton huc. Quoi encore? Mais putain, toujours plus quoi. D'accord. Il faut se barrer, quoi. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais. C'est peut-être pas ça. C'est pas suffisant. Merde. Ah. J'ai mal suivi le tuto, visiblement. Ah.
Ok. Là, en effet, j'ai beaucoup de choses à aller chercher. Hein. Oh là là, mon vaisseau ! Mon vaisseau ! Incroyable. Mon vaisseau. Ah oui, remets-moi donc, ouais. Ah non, c'est juste les munitions. Fils Batman. Ah, dents de métal. Envoie les données. Cette zone, Anubia, est à la surface où il y a toujours un problème. Détruire la planète éliminera les parasites. Bête de corbeau et sa quête d'ADN de Metroid sont une menace pour la galaxie. Je cherche sa position. Reviens ici. D'accord, à dents de métal. Bravo. Très cher. Très cher. Quoi? Ah, bien sûr. Allez, un peu de backtracking.
Ah, le manoir de Morteviel. Ça, c'est de la ref. Merci Remitch Buchanan. Pour le Prime Clem Jack, merci. Kikaze, 4O, Eldoran, GG Roule. Motherfucker. Je veux bien, ouais. Oh, le sale bail. Mais j'appuie, bordel de bite. Ils sont revenus vraiment. On n'a rien pu faire. Pas marché, je voulais tacler puis bon. Mais quand j'appuie vers le bas, jeu de mort. Magnifique. Mais putain. Je vous jure, j'ai pas m'énervé. Je pouvais le balancer en étant en train de sauter si je rappuyais. J'adore prendre la max. Mais putain, mais. Je vais tester un truc avant de péter les plombs. Non, je voulais sauter. Je veux voir en fait ici. Imaginons que je me mets en boule, je saute et là je réappuie. Ok, ça marche pas. Mais du coup, le timing il est affreux. Et c'est sûr que je peux pas. Ah, je l'ai là. Ok. Oh là là.
Donc je pouvais le stocker après le tacle, mais c'était pas clair. Ça pour des missiles de mort, évidemment. Oh non, non, non! Yes. Bon, le pire est à venir. Ah, c'est Shakulu Treishiro. Il va venir là, c'est ça? Oui, d'accord. Bah c'est le coach. Je passe pas sur toi. Ça me fait chier. J'ai loupé mon...
Qu'est-ce que j'ai fait? Oh le con. J'avais réussi le contre magique. C'est con. C'est loupé. Aïe aïe aïe. J'avais fait le contre et j'avais juste à refaire la séquence à gauche et je me suis dit je vais repasser. Et c'était le first try. Oh trop con. Ah c'était tellement stylé. C'est dommage. Alors. Et maintenant ça va prendre 8 ans. Oui. Oui toi, non c'est avec R. C'est pour. Oh, c'est dégueulasse. Ok, bon, c'est bon. En fait, il est archi simple. C'est un des plus simples. C'est juste que j'aurais dû attendre qu'il se lève. J'ai voulu bourrer. Voilà, le wave beam. Ah. Ouais, ça c'est incroyable. Ah oui, du coup, énorme. Il va être chiant à voir celui-là. Bon. Ouais, c'était previously, hein, les.
les autres. Previously on Lost. Ok. Oui, là-bas. Je bourre juste pour voir la puissance du truc. C'est puissant. Oh, et ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Ah, la foutre. Ok. Le petit bâtard. Et pour l'instant, je t'ignore. Mais c'est la maman de tout le monde, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Le docteur Mad. Il est où, Matcha? Encore, hein, il y en a encore un. Hein. Non, mais était-ce vraiment nécessaire? Était-ce vraiment nécessaire? Voilà. T'as compris que j'étais là ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Quoi? Alors ça? Salut. Ah, on pouvait le contrer, ok. Putain, le spacer. Allez, ça dégage. Rentre chez ta mère. Enfin! Ah, le last power-up, quoi. Et... paf!
Ça y est, mes 4 power bombs, j'en avais récupéré 2 en rab. Avant, bien avant. Il y a ça là aussi, hein. Ah oui, d'accord. Oulala. What a life. Ça, ça redonne les power bombs du coup. Ah oui, c'est pas les mêmes power bombs qu'avant, hein. Pandrez, des bisous Pandrez, merci pour le raid. On est sur la fin de Metroid Dread là probablement, enfin pas trop loin en tout cas. Donc beware of the spoilers. On a une Samus surdopée là. J'utilise mon pouvoir pour les blocs hein. Bon, ça me fait chier d'utiliser les ressources, mais en vrai, ouvrir les... ouvrir les zones sera toujours utile. Vous me connaissez, je suis un gamer. Je vais le faire comme ça. Oh là là! Oui, je sais que la bombe de puissance marchait, mais bon. Puissance nouvelle. La vitesse à laquelle tu aspires l'énergie est sans aucun doute Metroid par nature. L'ADN de Metroid qui est en toi a dû s'éveiller pleinement. Très probablement suite à tous les combats que tu as menés. Eh oui, à dents de métal. Ce pouvoir incommensurable est la dernière chose dont tu avais besoin pour affronter Bête de Corbeau. Merci Guichourek, Louvette, Romjeu, Oyotoko. Pour les resubs, Clickers X qui a offert un sub à Philou VH13, merci. J'ai détecté une forteresse dans le ciel. Oh non! Très au-dessus d'Anne, l'heure est venue. Ah, quand même, il me met la pression, hein. It's close! Bon, évidemment, c'est maintenant qu'on devrait faire le 100%, hein. Mais on va essayer de terminer le jeu avant que je doive aller acheter de la potion. Mais la forteresse dans le ciel, c'est pas par là du coup. Il y a un ascenseur qui nous ramène à Ferenia, mais on l'avait fait tout à l'heure. Au-dessus, il y a des trucs là. Ah là, oui, ça pète là. Let's go, break it up! Je vais activer mon pouvoir, on sait jamais. Il y a peut-être un bloc caché avec des ressources. Voilà. La switch au fond là, je lui en demande trop.
que je voulais faire, mais c'est pas grave. Oh putain, le Spacer Beam. Ouh. Ah non, le... Astro Attack. C'était mon finisher. Je sais pas si c'est puissant à ce point-là, mais... Ok. Remets-moi tout. Ah oui, on t'a vu. Ah, ça va être là l'affrontement visiblement. La grande plateforme. Oula. Bonjour. J'espère que t'es moins gratuit que tes compères. Oh, il est beau, hein. Il a pas de... Ah si. Ah, mais voilà autre chose. Ah, alors peut-être... J'espère que ça casse son bouclier. On va devoir le contourner, ça c'est un peu plus chiant déjà. Ah, je pouvais le contrer, ok. Ah, mais faut le contrer au corps à corps, c'est quoi ce bail? Oh, le sale bail. Ah merde, c'est bleu. Allez, que je grappine, faut que je le grappine. Mais du coup, je me fais bait là. Eh oui, parce que j'essaye à tout prix de... Comment je peux le contrer? C'est forcément au corps à corps, donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que... chaud de prévoir l'attaque. Je sais pas quelle attaque il va me balancer au corps à corps. Est-ce que c'est son opener? Pas du tout. Je me tiens loin et si je vois une dinguerie... Ah voilà. Ok, c'est quand il pose sa lance par terre. Allez, ça dégage. On est déjà là. Coup dur. Calme. Allez, rentre chez ta mère! La boule magique. C'est mon joker. Mon coup de poker. Ok, en haut.
Ah, s'il y a ça. C'est le serious time. Ah bah ça en plus. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Hein? La grande passerelle. À nous deux. À dents de métal. Vraiment, c'est nécessaire. Envoie les données. Il semble que ton ADN de métroïde t'ait changé en métroïde. D'ordinaire, cela aurait dû se produire immédiatement après le transfert d'ADN. Tes gènes de bois ont dû ralentir le processus. C'était la seule tribu capable de contrôler les métroïdes. I am a Metroid. Bien que tu possèdes leur ADN, tu n'es pas une Towa. Tes prouesses physiques semblent indiquer que tu possèdes également de l'ADN Maokim. Oh là là, je suis le grand remplacement. Or, les Metroids sont programmés pour identifier les Maokim comme des ennemis. J'en déduis que ta métamorphose s'est probablement produite en réponse à l'attaque de Bête de Corbeau. Sa présence a réveillé l'instinct meurtrier des Metroids. Ta métamorphose s'est alors accélérée. Elle ne peut plus être contrôlée. Tu es désormais une métroïde, Samus Aran. Ton existence même constitue une sérieuse menace pour la galaxie. Oh là là, non, elle va pas se tuer quand même. Cependant, il n'y a rien à craindre. Ah. Tu peux toujours contribuer à la paix galactique. Il te suffit d'utiliser tes nouveaux pouvoirs correctement. Tu as suivi mes instructions à la lettre jusqu'à présent. Continue ainsi. Oh là là, il a l'air un peu bizarre dans des métals là. Je suis très satisfait de ta performance sur ZDR. Comme je l'espérais, elle a éveillé tes pouvoirs métroïdes. J'ai bien fait de t'épargner lors de notre première rencontre. Aïe aïe aïe! Je suis vu ton potentiel. Soumets-toi et offre-moi ton pouvoir. Bec de corbeau, il a hacké Adam de métal. Accomplis ton destin, Samus. C'est un ordre. Je ne tolérerai aucune désobéissance. Allez. Comment ça? No! Wow! Okay! Wow! Allez, que je contre, j'ai pas vu le trigger. Aïe. Aïe, mais sors de là, je t'en supplie. Si je le touche là ou je le touche zéro? C'est ça qui est pas clair. Waouh. Ok. Oui, bon bah tue-moi, j'ai compris.
Est-ce que je le bute en fait? C'est ça. C'est ma seule inquiétude, c'est est-ce que je lui fais des dégâts? Allez. Ah mais sympa, sympa, sympa l'opener. Oui. Ok, il est jaune maintenant. Ah ça, ça... Ok, faut une power bomb. Pas du tout. Aïe! Quand il est jaune, faut quoi du coup? Ça, il s'en fout. Ça aussi. Merde, merde, merde. Oh là là. C'est pas clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme pouvoir? Le grappin? Mais non, ça serait bleu. Ça, je dois pouvoir le contrer. Je vois pas le signal, mais ça doit être possible. Putain, mais j'ai sauté toute ma vie. Waouh. Il attendait un compte là, visiblement. Ouais, ok, j'ai vu l'auréole. Mais fais ton spacer jump, connard! Pardon. Trop tard. Oui. Alors, c'est quoi? T'es normal maintenant? Non, il est encore jaune. Pourquoi? Pourquoi tant de cruauté? Ah, j'aurais pu, je suis con. Ok. Pas du tout. Jamais ta merde. Aïe aïe aïe, je suis trop impatient. Et j'ai le wave beam marche, voilà. Waouh. Il y avait un compte là-dessus, je sais pas. C'est mort. Ok, ok. Le problème, c'est que je peux pas le viser hein, tout en courant. Oh. Enfin, en sautant, je peux. Mmh.
Ça, ça se contre. Non, ça, ça se compte pas. Oh là là, ce que je prends, je le souhaite à personne. Ok, super. Oh putain, je pensais pas que c'était celle-là. C'était free. Ok. C'est ça! Oh putain, j'y ai pas cru. Waouh, mais putain, faut prévenir! Aïe aïe aïe. Ah ça, ça il faut que je comprenne. En fait s'il le fait toujours en hauteur, faudrait que je tacle pour me transformer en boule. Je se transforme en boule, appuyer deux fois vers le bas, c'est pas super instinctif. Voire trois fois. Dommage. Parce que les deux premières parties, on est clean maintenant. Hein. Gâchette gauche, le problème c'est que je suis immobile quoi. Oui c'est ça, morph d'un coup c'est à... Merde. Deux secondes. Pourquoi je suis allé là? Ah oui, il met 3 si je fais pas le... Si je fais pas ça. Oh, j'oublie. Ça va, ça fait pas mal.
Ok, il est jaune. Ah, on lui met ce qu'il mérite là, hein. À chaque fois c'est gratos. C'est la suite le problème. Non mais putain. D'accord, mais surtout, ouais, surtout fais pas ce que je te dis, ça sera cool. Mais putain, mais je pensais qu'il allait arrêter au bout d'un moment. Oh oui, sympa! J'ai kiffé. Putain, mais je bourre, pitié! Oh non, pas le One Winged Angel, c'est pas fini. C'est quoi ça?
sais pas ce que c'est. Ok, c'est chiant. Wow. Ok. Waouh, 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 d'accord, ok. Donc faut éviter les trucs de l'orbe et en plus son tir de mort. Ok. Ah merde, putain. J'ai peu de temps. C'est mon dernier try, hein, tant pis. Au pire, je couperai la vidéo YouTube, on le tentera la prochaine fois. Et ma famille, hein. Petite famille avant tout. Mais on peut y arriver, là. Alors. Oh, j'ai appuyé trop tard. Ah. Merde, j'ai oublié de lui mettre le missile. Il est pas jaune encore du coup. Si, bon. Oh. Olé ! Oh là là. Ok. Yeah.
Aïe 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 aïe. Oh la totale. Je devais le contrer là. C'est lent. Un cauchemar. Putain, je croyais que je devais recontrer, je me suis arrêté, je pouvais le tuer. Ah oui! Une petite escape ou pas? Le mystère. Wow! Holy shit! Oh non! Non mais je dois y aller. Vous êtes chiant. Ok, c'est bon, fallait juste laisser appuyer sur R et se bourrer. Laisse bien raisonnable. Ça va pas suffire ça?
Allez. Évidemment. What the fuck? J'ai loupé une info? Vous pensez que j'ai loupé une info? Ok. Oh, mais c'est ça mon... Ah oui, d'accord! Allez! Ah, on n'a pas fait le 100%. Bravo! C'était trop bien. Dernier combat était vraiment trop cool. On n'a pas fait les 100%. Je pense que c'est à la toute fin normalement. Ah oui, ouais, il le montre pas. C'est vrai que sur Super Metroid, il le montre quand le vaisseau s'échappe. Incroyable. Faut que j'aille acheter des potions là. Ah mais c'est encore un staffroll qui va durer 155 ans. Je le passe. Pardonnez-moi. L'essentiel est là.
Allez. Alors, 7h15, mais bon, évidemment, c'est le in-game time. Ça a pas pris tous les retries de l'infini. Et j'ai pas le item complétion, là. 7h15, mais en vrai, on a fait quoi, 12h de stream, 11h? Je sais pas. Ah! ...50% des objets, vous voyez. Si on veut les fermer, on a de quoi faire. Et c'est quoi donc le mode difficile? Ah. On ne sait pas. Le jeu commence maintenant. Ça dépend. Il y a un vrai intérêt à le hard mode. Pas ce plus dur. Très bien. Eh ben c'était très très bien. Merci beaucoup Yancho, Peta, Woolrich, 98 ans, bientôt les 100 ans, le millénaire. Merci Alteo 1610. Bonjour quand même, bien sûr. Des bisous Timoth. Bon bah c'était incroyable. Trop bien. On fera peut-être en dur ou le 100%, mais le problème c'est qu'on a terminé un métal, il y a Je Made in France qui arrive, j'ai 30 jeux à faire, c'est l'enfer. Des bisous.